Et wesh les gars, c'est Z-Sport, on se retrouve pour une vidéo sur Octonia les gars. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va drop quelques petits P4. Donc bah normalement de sûr il y en aura un. Et puis si j'arrive encore à faire d'autres PV, bah peut-être qu'il y en aura d'autres. Du coup on a fait aussi un petit event où on a récupéré un petit minerai vachement sympathique. Donc c'est le Drakex, donc c'est vraiment cool ça aussi. C'est pour faire une putain d'épée et tout les gars. Donc dans cette vidéo bah on va vous montrer aussi comment j'ai eu cette petite poudre de Drakex. Je vais aussi vous mettre la petite présentation de Odelia. Donc Odelia les gars, ça ouvre mercredi à 16h je crois. Donc c'est vraiment un serveur Vanilla assez cool. Donc ramenez votre faction puis venez vous amuser. Dans cette vidéo aussi du coup je vous fais win 5 € de PB sur Odelia les gars. Donc n'hésitez pas à participer. Vous mettez un like, un commentaire et vous abonnez. Puis je tirerai du coup dans la prochaine vidéo sur Odelia le résultat du concours. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira. Si elle vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner du coup, et aussi n'oubliez pas de participer pour le concours sur Odelia. Puis on vous attend nombreux mercredi à 16h. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et à la prochaine. Ouais, du coup les gars, je vous prends juste 2 minutes avant la petite vidéo pour vous présenter un petit serveur. Donc Odelia il ouvre mercredi 20 du coup à 16h je crois. Du coup c'est un serveur totalement farm to win que je vous présentais vite fait juste avant la vidéo. Donc pour commencer il y aura des primes sur les joueurs qu'on pourra avoir, et que les amis pourront mettre des primes énormes pendant des tous les trucs comme ça. Après il y a une grosse économie autour de l'émeraude. Donc on a 9 émeraudes, on peut craft une émeraude impure, enfin avec 9 émeraudes impures on peut craft une émeraude normale. Avec 9 émeraudes on peut craft un bloc d'émeraude, avec 9 blocs d'émeraude on peut craft un émeraude renforcé. Et du coup le principe c'est que au lieu de craft avec les 9 émeraudes impures l'émeraude normale, on peut aller dans la zone de traitement et du coup on a une émeraude impure, on attend un petit peu et puis du coup ça va nous donner une émeraude normale. Du coup bah, on fait x9, on divise par 9 le coût du prix, donc c'est plutôt rentable. Ça c'est un truc qui se trouvera en Warzone, donc c'est assez inédit pour un serveur Vanilla. Du coup on a une émeraude. Après il y a un classement les gars, donc vraiment insane, 75 € PayPal par mois pour la première faction, 25 la deuxième et 50 € de PB pour la troisième. Donc ça les gars c'est en cool, venez tryhard avec votre faction. Après il y a plein de nouveautés, donc je vais vous montrer vite fait comme ça. Il y a c'est où les épées, c'est là. Donc il y a l'épée voleuse à 10% de chance de voler 150. Donc si vous voulez faire riche les gars comme ça, donnez entre 5 et 15 $ à chaque créature que vous avez tué, donc ça c'est cool aussi les gars. Enfin, il y a vraiment plein de trucs, magie, pioche fou, arc toxique, hache folle, hammer, armure, arc sanguinaire, il y a les celstiques, donc la loupe aussi, pour le nombre de heal de l'ennemi, le chest viewer c'est pas mal aussi, le giant buster, les dynamites et tout, donc il y a vraiment pas mal de trucs pour un Sarvania les gars. Après il y a toutes les explosions, donc comme on peut le voir ici, donc il y a l'obsidienne qui fait 15 coups de TNT, donc les gars c'est énorme. L'endstone qui reste achetable au shop, donc c'est 25 coups de TNT, donc si vous voulez faire des bases en endstone ça va être complètement fumé. Après l'under chest, donc l'enclume et la table d'enchante. Du coup on va continuer dans le wiki avec le slash classement, donc, comme ceci. Clashement, donc on peut avoir toutes les factions si vous voulez dans le premier, donc pour le cash price et tout, ça rend cool les gars. Après les warps, donc ça c'est basique. Les métiers, donc ça c'est cool aussi parce qu'il y aura, vous aurez un shop des métiers dès que vous montez vos métiers et tout. Du coup pour avoir des items un peu exclusifs de chaque métier et tout. Après il y a le wiki, donc le wiki c'est là où on était avec le classement. Bah non c'est là en fait, c'est là. Après on a les events, donc les events, il y a vraiment pas mal d'events les gars, coffres aléatoires, il y a énormément d'events, c'est cool. Après les quêtes, il y aura aussi des quêtes, bon après ça arrivera pas tout de suite ça, le slash reward c'est un daily reward pour avoir tous, donc regardez aujourd'hui là j'ai gagné 10 000 $, donc c'est vraiment cool ça. Après il y a aussi du coup l'HDV, bah, comme sur tous les serveurs ça. Et ensuite on a le farm to win, donc slash farm to win, on peut vraiment tout acheter, donc c'est vraiment ça qui est cool les gars. On peut acheter tous les grades, donc c'est vraiment insane les gars, tout spawner, toutes les commandes, donc le slash near, slash back, slash condense pour les blocs et tout. C'est vraiment cool les gars, donc faut farm la monnaie, farm et tout. Et du coup après on a pas mal de trucs, on peut vraiment tout acheter ici. Je vous montrer vite fait le slash shop pour savoir quelle économie il faut farm dans les agricultures. Donc je pense les cactus, les cannes à sucre, le blé et tout, c'est vraiment cool, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, donc c'est vraiment un serveur sympathique. Et puis du coup on vous attend à l'ouverture mercredi 20, sachant que je vous fais win 5 € de PB grâce au staff de Odelia du coup, donc on les remercie puis on vous espère nombreux sur Odelia.
Ouais, du coup le premier fight que j'ai fait, donc c'était mon premier P4 que j'ai fait, je venais de le farm. Et du coup, bah, pour ma petite vidéo, bah, je suis allé fight dans la Warzone comme ça. Du coup, je trouvais un petit mec pour 1v1, et puis du coup, bah, on l'a bien défoncé. Du coup les mecs en fait tu tiens bien contre le petit monsieur là. J'espère bah lui péter le cul hein, simplement. Ma crainte c'est juste qu'il soit double P4, les gars c'est bon il a break. Ah non il a break son petit pendant de d'huile. Donc pour l'instant les gars on lui met la caquette hein. Je sais pas si vous aurez ça sous musique ou sous ma petite douce voix. Et nous aussi on a break notre premier pendentif, on en a un deuxième. Ok, la bricasse, les gars. GG. Bon, bah, il avait une T5 en autorite, les gars. C'est archi rare, ça. Bon, bah, GF à lui, les gars. Ouais, du coup, bah, j'ai pas pu faire plus de règles parce que bah, tous les mecs ils back et tout, donc c'est un peu chiant et tout. Puis même quand on teamfight, bah, on n'arrive pas trop à drop, soit j'ai pas de stuff, enfin, soit on s'en fout, mais ça. Mais du coup, soit bah, on n'arrive pas à drop, soit bah, simplement ils s'en vont, enfin, un truc comme ça. Donc, bah, on va laisser là, puis on va juste refaire d'autres PVP pour pouvoir faire une prochaine vidéo. Et du coup les gars c'est déjà la fin de la vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu, les petits P4 qu'on a drop et tout, l'event, enfin plein de petits trucs et tout. Donc n'oubliez pas de venir sur Odelia mercredi à 16h et puis du coup bah n'oubliez pas aussi de participer au petit concours sur Odelia des 5 euros PV. Et puis on se dit à la prochaine.